Il est très bien. Nous voulons vous assurer de notre soutien actif. Et si nous sommes ici, c'est pour apprendre, comprendre, mais aussi, à notre retour, donner encore un élan plus fort à l'action qui est la nôtre pour soutenir votre juste cause. Des lois contradictoires qui changent d'heure en heure, l'insécurité permanente, malgré ses 70 ans, c'est avec ferveur que le Dalai Lama raconte l'oppression chinoise qui poursuit souvent son peuple jusqu'en Inde. À la Chine, pourtant, ils ne demandent même plus l'indépendance, mais le respect de l'autonomie tibétaine, comme dans un État fédéral. Tibet within the People's Republic of China. Through that way, we might get greater benefit for material development. So therefore, from the viewpoint of our own interest, I believe middle way, not seeking separation, remain within the People's Republic of China, provided give us meaningful autonomy, no damage of Tibetan environment and Tibetan culture. Good. Middle way. Now like European Union. C'est ensuite une information inédite et menaçante, pas seulement pour le Tibet, mais pour toute la région, que nous délivre le Dalai Lama. I think more than 20 years ago, we received some information from Tibetan in northern part of Tibet, mainly, almost like no man's land, only animal, wilds. Some area, the local Chinese military put this area, restricted area. Then eventually, some animal give deformed birth animal. And meantime, some occasion, local Chinese informed local people, if some wind comes, then take some kind of precautions. So these are the basis of our sort of suspicion. There are Chinese military concentrations in whole the northern, Indian northern border. Some area, according some sort of information here in this country, some Chinese missiles, probably with nuclear weapon. Le Tibet, à la fois poubelle nucléaire de la Chine, mais aussi base géostratégique pour attaquer l'Inde, ses soupçons méritent maintenant d'être prouvés. C'est justement pour cela que le Dalai Lama ne demandera pas un soutien politique aux députés. Sa seule requête, des experts européens pour constater les dégâts et témoigner au nom des 150 000 Tibétains en exil dans le monde.